Perek Vav, l'echot lo tachmod, Perek Vav, et on est à la halakha bet. Achemda avatuma. Donc, si on considère des, comme dans la gravité des averot, convoitisé, c'est avatuma, c'est la tuma la plus grave. Qui mevia les sina vekina, parce que ça mène bientôt à la jalousie et à haïr certaines personnes. Ou mevia l'idée gezel, ça nous amène les gens à voler, je vois tcheker, jurer pour rien, l'idée ritzicha, des fois même tuer. Vi ha sirit, sheba seret adibrot. C'est la dernière de tous les 10 commandements, Shekula Kekulam, qui a le poids qui est égal à tous les 10 commandements. L'amour à Boténo, Hatava, Motia et Taada Minaonam, la Taava, donc ça veut dire la recherche des plaisirs, sort l'homme de ce monde-là, qui matridato, miesekatora, parce que tellement il a des Taavot qu'il n'a pas la force de pouvoir s'asseoir et étudier. D'abord, il faut que le côté matériel soit entièrement assouvi, et ça, donc on est entièrement assouvi, on n'a plus la tête pour étudier. Mais qui au mitzvotéa? Vehu kofer bashgacha, celui qui est chomed, c'est qui n'est pas ma'amin qui a une ashgacha pratique, et pas même qu'Akadosh Baruch Hu est présent à chaque instant. Shelo me'amin shakol yedei ashgacha d'Hashem yitbarach, comme tout ça marqué dans Shara de Kedusha du Malchut. Anoten enav be'eno shelo, celui qui met ses yeux sur des choses qui ne lui appartiennent pas. Amu chacham chachamim, kol anoten enav be'ma she'eno shelo, tout celui qui convoitise, qui met ses yeux sur des choses qui ne lui appartiennent pas, mâche et mevakesh et notnimlo. Ce qu'il demande, on ne lui donne pas, ou mâche et beyado, notnimimeno. Et ce qu'il a, on lui prend. Quelqu'un qui malheureusement tombe sur le digne de l'otachmod, qu'il sache qu'il va tout perdre. Parce que ce qu'il convoitise, il n'obtiendra pas, et ce qu'il a déjà, il va le perdre. Alachadalet, Rache kol advarim shishamru en Rache kol advarim, donc Rosh kol advarim shishmor ena mikol davar sheno shelo. Donc à la tête de tout, ça veut dire avant tout, qu'est-ce qu'il faudrait, comme ça c'est marqué dans Chot Chaim du Rosh, avant tout, toute chose, il faut d'abord faire attention de garder ses yeux, de ne pas regarder, donc ne pas comme ça convoitiser ce qui n'est pas à toi. Donc par exemple, le voisin a acheté une nouvelle voiture. Tu peux lui dire, Mabrouk, Mazaltov, que jamais tu vois ni de policier, ni de garage et tout ça. Mais commencez à regarder sa voiture, le regarder comme ça, et le regarder comme ça, l'okidai. Fais attention, parce que le fait de regarder, tu risques de commencer à convoitiser. Maintenant, tu ne vas pas être ouvert à l'otachmod si tu ne vas pas vouloir cette voiture. On a déjà appris ça. Que pour être ouvert à l'otachmod, il faut vouloir cette voiture d'Afka. Mais si tu vois, elle te plaît la voiture, et tu vas acheter la même voiture, ce n'est pas l'otachmod, ce n'est pas l'otitavé. N'oublions pas. Mais néanmoins, si on veut éviter à la longue de ne pas tomber dans l'otachmod, il serait bien de faire attention à ne pas trop, que nos yeux ne vagabondent pas, ne regardent pas trop des choses qui ne nous appartiennent pas. Comme ça, on sera un petit peu protégé. Ce n'est pas dit ne pas regarder du tout, parce qu'il a acheté une nouvelle voiture, il attend que tu lui dis Mazal Tov. Je ne vais pas lui dire Mazal Tov. Mais venir commencer à t'attarder sur chaque détail de la voiture, l'okidai, parce que ça va réveiller en toi le problème de l'otachmod.